Ça tourne là. Dis-moi juste. Ah, quoi? Ah, ça tourne là. Ah bah, bonsoir et bienvenue à tous sur Comme d'habitude Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu où Knarfang n'a pas fait l'effort de rejoindre la partie. Bah si, je suis en cours là. Attends, je mais t'es pas dans écrit John McClane 100 sur 100. Si? Ah oui, mais t'as pas choisi ton rôle. Ah bah non, pas encore, mais vas-y, présente ton jeu là. Oh. Ah, ok. Ah, mais il a mec. Fait l'effort de rejoindre finalement. Donc, on est sur Pulsar Lost Colony, qui est un jeu indépendant fait par Leffy Game, qui vaut un petit peu cher pour son contenu, mais les mises à jour sont tout le temps là, donc on est bon. Il coûte 20,99€. Je trouve que c'est relativement correct pour ce qu'il y a dans le jeu. La fin, si tu veux bien choisir un rôle dans ce qui reste. Donc il y a, c'est un jeu coopératif de 5 personnes, où il y a un capitaine qui fait son rôle de capitaine, le scientifique que Knarfang a choisi là, qui est en fait celui qui va s'occuper de tout ce qui va être des virus, de s'occuper des boucliers, donc de choisir le mode des boucliers, qui va s'occuper des scanners et des programmes slash virus qui servent à défendre ou attaquer de manière passive les vaisseaux ennemis. Le pilote, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'il fait, c'est celui qui se fait engueuler dès qu'il fait de la merde. L'ingénieur, c'est celui qui a le rôle le plus important du vaisseau, parce que c'est celui qui s'occupe de l'énergie du vaisseau. Si le réacteur du vaisseau surchauffe, le vaisseau s'arrête de fonctionner. Ou alors on est obligé d'éjecter le réacteur, ce qui fait que le vaisseau devient immobilisé, puisqu'incapable de se déplacer. Et le weapon spécialist, c'est le second poste le plus important du vaisseau, parce que c'est celui qui s'occupe de la défense du vaisseau, que ce soit à pied ou avec l'armement principal. Voilà. Okay. Globalement, j'ai résumé comme un gros sac ce que faisaient les postes très facilement. Et je ne serai qu'un spécialiste de l'arme, parce que visiblement, ça peut être si important que ça comme poste. Ok, donc je vais ajouter des IA qui vont faire des choses. Des choses d'IA, on est d'accord. Des choses d'IA, ouais. Alors, il faut savoir maintenant que je vais t'expliquer ton poste. Bonjour. On va faire tous les postes en commençant par le tien. Ah. Alors, Attends, j'ai un problème. Oui. J'ai un problème. Pour aller à gauche, c'est toujours une touche de merde. Ah. Contrôle. Je te laisse oui, parce que ça. Bien sûr, comme tout jeu indépendant, hein, vous prenez la tête avec les déplacements. Ah oui, c'est toujours, c'est resté. Ok, c'est devenu. Ah, on sait pas pourquoi. CQ, s'il te plaît. Et peut-être qu'on modifiera des choses. Après, je vais pas m'énerver tout de suite. Voilà, parfait. Il faut savoir des choses avec les IA, c'est que les IA peuvent être réglées. C'est compris dans le jeu, vous pouvez régler la priorité des IA. C'est-à-dire que, par exemple, là, le pivot qui est ici est réglé pour manœuvrer défensivement en combat, c'est-à-dire à se maintenir à distance maximum de notre portée d'armement afin qu'on puisse éviter les missiles ou les trucs comme ça. Donc maintenant, viens, je vais te montrer ton poste. Tu veux peut-être faire une visite du vaisseau, qui est le modèle Stargazer, un des 9 vaisseaux présents en jeu. Il y en a peut-être plus, mais je suis pas sûr. Un des 9 vaisseaux intéressants à jouer. Il y a combien de vaisseaux TTC ? TTC, sachant qu'ils en ont rajouté il y a pas longtemps, je sais pas le compte entier, mais je crois qu'il y en a genre 10. Excuse-moi, j'ai l'impression que notre scientifique ici a une petite allergie aux écrans plats. Comment parce ça que, parce qu'il a un flingue là quand même. C'est pas le flingue, c'est le Reaper Gun. C'est ce qu'il est programmé pour réparer le vaisseau, et du coup il le sort d'accord. Automatiquement. Okay. Si tu fais 1, 2, 3, 4, tu vas sortir ton équipement de tes mains. Donc alors là tu as le fast pistol qui est l'armement. Rien. Comment ? Visiblement sur 1 j'ai rien. Le 1 c'est les mains. Ok. C'est écrit à droite de ton écran. Y a du dommage allié là ? Non y a pas de tir allié, tu peux tirer avec. T'as munitions infinies. Mais il faut tirer avec. Ah il surcharge, ok. Ouais, il surcharge. Et si jamais, voilà, là il a surchargé, il mettra plus de temps à refroidir que si tu le laisses refroidir avant qu'il surcharge. Là c'est un des jeux de société du vaisseau. C'est genre un jeu de dés. J'ai pas compris le principe parce que j'ai pas tout traduit encore. Parce que le jeu est full anglais par contre, c'est un des défauts. Ah, c'est joué au poker menteur. Liar's Dice, c'est le poker menteur. Non, c'est les démenteurs. C'est oui, les démenteurs. Les démenteurs, c'est poker menteur, son nom moderne. Okay. C'est le jeu, le jeu de pirate qu'il te montre dans Pirates des Caraïbes. D'accord. Voilà. Je ne savais pas. Il faut faire des annonces sur ton propre jet de dés. Et l'intérêt, c'est d'avoir l'annonce la plus élevée. Et quelqu'un peut dire tu as menti. Et donc, si t'as raison, il a perdu. Voilà.
Là, c'est la cabine du capitaine, t'as rien à y faire, personne n'y va jamais, sauf quand il y a le feu, parce que okay. Sinon c'est chiant, ça reste là à l'infini. Ah, t'es un capitaine de la Colonial Union. Non, dans quelle faction, attends, je vais dire ça. Non, normalement t'es dans la même que moi, là. Oui, non, mais on est dans la faction neutre. Alors pourquoi t'as un poster de la Colonial Union? Sale traître. J'en sais rien. Demande ça au dev. Alors là, tu as une des tourelles secondaires du vaisseau. Ok, c'est bon, j'ai trouvé mon poste. Yes, ce sera quoi pour vous, monsieur? T'es pas implémenté dans le jeu. Ah, dommage. Poste de. Là, t'as une des tourelles secondaires du vaisseau que tu peux prendre, qui est un laser. Voilà. Qui est pas ta tourelle principale. Viens, je vais te montrer ta tourelle principale. Donc là, c'est un des postes que j'ai. J'en ai deux ici, en fait, c'est ça? Une. T'en as trois à bord du vaisseau au total, mais il y en a qu'une seule qui t'est destinée à toi, parce qu'il n'y a que toi et moi qui pouvons l'utiliser. Le capitaine, en fait, est un truc cassé, parce qu'il peut utiliser tous les postes à la fois. Ouais, c'est le mec polyvalent, quoi. C'est ça. Donc c'est le mec que t'engueules quand plus rien ne tourne. Je suis perdu, chef. Ah, là, faut aller là. Oh, putain, c'est pas bien éclairé, hein. Non, mais c'est un couloir, on s'en fout. Et c'est ici, ton poste. Là, ici, c'est la tourelle principale. Je te conseille de pas la tirer, sinon tu vas bouger tout le vaisseau. Sinon, je vais quoi? Bouger tout le vaisseau, tire avec. Vise pas une station, donc, mais tire avec. Idéalement, ah ben non, j'ai un astéroïde juste derrière. Donc, ouais, effectivement, je vais pas tirer. Ou alors, je vais tirer sur un côté. Ok, je vais tirer sur un côté. Regarde comment le vaisseau va bouger. Ah! Ah oui! Tu influences le mouvement du vaisseau quand tu tires. Il y a un peu de recul. Et il y a qu'un seul clic à chaque fois sur les armes. C'est clic gauche ou. Non, tu avec celle-là, tu peux maintenir le clic droit. Et là, je te conseille de sortir de ta tourelle. Donc, tu refais R. Ou échappe, tu trouves comment tu sors, voilà. Et là, tu as un petit panneau à côté. Ah, attends, je ressors, je t'ai re-rentré dedans. Ouais. Là, tu as un petit panneau, là. Non, pas celui-là, là, à côté de la tourelle. Derrière oui. Voilà, ce petit panneau, ce sont tes missiles. Ceux qui sont actuellement équipés, on en a qu'une seule sorte. Ce sont des petits missiles très rapides. Qui font des dégâts au bouclier, et tu peux choisir les systèmes que tu vises avec ça. Parce qu'à chaque tir que tu mets de canon principal, tu casses des systèmes. Celui qui est à gauche, ça, c'est l'ingénierie, les... c'est tout ce qui est bouclier et coque, je suppose. Non, c'est tout ce qui est moteur. Tu vas immobiliser le vaisseau en touchant ça. Armement. Si tu touches l'armement, là, après la petite feuille, c'est les systèmes de survie, c'est quelque chose de très important s'il y a des humains à bord. La respiration et la température. Et le scientifique, c'est quelque chose, si tu le détruis, tu nous mets bien. Pourquoi ? Parce que le vaisseau ennemi ne pourra plus nous voir. Il faut savoir dans ce jeu que le problème principal, c'est ça. Il faut savoir que le problème principal dans ce jeu, c'est que si l'ennemi n'est pas marqué, l'IA ne tire pas. Est-ce que par hasard tu serais en train de nous dire qu'on serait en train un peu de jouer finalement une certaine forme de Star Citizen du pauvre ? Non, parce que Star Citizen c'est mieux. En termes de contenu. C'est vrai, t'as raison, il y a plus de bugs. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, YouTube continue ensuite, à t'écouter. C'est ça. Ensuite, là, tu as les modules principaux. Le module principal, c'est ce qui détermine comment est efficace ton arme. Là, les weapons sont à 100%, mais si tu tires dedans, ça le casse. Je te conseille de faire 3. Mais pourquoi je peux déplacer un curseur sur ma main tourette? Ça, c'est l'énergie qui est attribuée à ta tourelle principale. Mais je peux pas la remettre à donf, ça m'énerve. Parce que tu es déjà à fond en fait, il y a... Attends, je vais le faire. Ah oui, parce que oui, t'as bousillé la tourelle, ok. Mon repair gun. C'est pas celui-là. Non, c'est pas le bon. Si celui-là. Tu tires trop souvent dans un module, tu vas le détruire définitivement. Et ça peut prendre feu. Bah voilà, regarde, t'as les IA qui viennent pour réparer. Mais que quand c'est fini. Merci les IA. Attends. Vous ne servez à rien. Je peux pas le mettre à donf, ça va me vénère. Pousse-toi, je vais le mettre à fond. Cassez-vous les IA. Attends, faut que je tire sur un autre truc. Et réparer ça là-bas, bande d'imbéciles. Non, faut tirer sur le truc qui est juste derrière la petite boîte, juste derrière. Voilà. Bon, non, il peut pas y aller, attends, j'ai fait les munitions. C'est bon, ils y vont ? Bon, moi j'ai blasté tout le décor, hein, Osef. Ah putain, mais ils sont réparés comme. Ils sont codés comme de la merde. Par contre, ouais, les bots, si vous les réglez mal, ils font n'importe quoi. Parce qu'en fait, je veux pas que tu sois en Fire Patrol, fils de pute. Je veux que tu sois en Reaper System. Oh, ça y est, là, tu vois, parfait. Oh, c'est marrant, ouais. Voilà. Super, maintenant, incroyable. Je règle ton panneau. Mais pourquoi on a des plots ici? C'est des plots de téléportation? Où ça? Non, ça, c'est des plots de cargaison. Ah, mais on peut transporter du stuff.
Voilà, et ici tu as le téléporteur. C'est le téléporteur. Bon, ça sent, oui. Ça sent le fan de Star Trek, hein. De toute façon on peut commencer. Alors toi tu l'as pas mis je crois, fais voir ta tête. Ah non, t'as mis le bandeau là. Ok, ouais. Tu peux commencer avec la lunette, on va dire, de Monsieur Laforge. Atomizer, ok, d'accord. Monsieur Laforge. Pour les fans. Alors, personne. Ok, donc ça c'était mon flingue. On peut pas sauter dans le jeu. Si, si, tu fais double espace. C'est un jump en fait. Ah, ok, d'accord. C'est un jetpack. Ah oui, alors, parce qu'il y a un fuel. Ok. Oui, t'as un fuel, mais on peut l'améliorer. Ça, c'est le système de cloquage du vaisseau. Que t'es censé tout le temps laisser allumer. Bah, en du moins chargé. Afin d'être prêt à être utilisé. Parce que être invisible dans ce jeu, c'est la vie. En fait, c'est pas un vrai cloque. C'est quoi, disons c'est cette espèce de corail qui fait ça? Oui, en fait, il absorbe l'énergie ambiante. On n'est pas invisible. Il absorbe l'énergie du réacteur en diminuant notre présence énergétique. Donc en fait, il nous rend voilà. Pas invisible à l'œil nu, mais invisible au radar. C'est ça. Il nous rend invisible, on n'est pas captable. Là, c'est le cœur du réacteur. On a un petit peu tiré dessus, mais c'est pas grave. Ça va. Ce n'est que du nucléaire, après tout. C'est ça. Si jamais un jour, on a des gros problèmes, faudra peut-être reboot tout le vaisseau. Et ça, c'est les panneaux qui servent à le remettre à zéro. Donc là, si tu tires la manette 1, tu coupes tout le vaisseau. Actuellement, il n'y a plus d'énergie dedans, il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est la merde. Mais on peut pas en plus couper. Tu cliques gauche. Voilà, là, t'as éteint tout le vaisseau. On n'a plus de bouclier, plus rien. Plus de capteur. Il faut que tu bootes le reste du chip pour le faire. Sur le panneau qui est à côté. Voilà. Ah, c'est bon. L'IA qui est programmée pour le redémarrer va le faire. Voilà. C'est l'IA est programmée pour ça. Ok. Donc il faudrait redémarrer les ordinateurs. Il faut redémarrer tous les ordinateurs après. Attends, je vais faire. Voilà, mais chaque poste a une véritable importance. Normalement. Et je vais te montrer quelque chose qui est très fort, parce que c'est pas moi qui ai choisi le vaisseau, c'est Knarfang. Je lui ai dit, prends un vaisseau au pif, on y va. Attendez. Sauf certains, j'avais des restrictions. Sinon j'aurais pris bien sûr le vaisseau tout claqué. Avec support, ok. La petite cuisine. En vrai, ils sont donné du mal hein, pour les détails du vaisseau. Voilà, désolé du dérangement. Cool, hein. Ouais, ils ont modélisé tout le vaisseau. Viens voir là où je suis. Ouais. Regarde, tu vois le mur qui est là? Ouais, c'est un faux mur. C'est ça. Et en fait, le vaisseau peut être soumis à des. What? Comment ça s'appelle? Par contre, on voit que. À des inspections. F, t'as une flashlight. Ah. Le vaisseau peut être soumis à une inspection et certaines missions t'obligent à transporter du matos qui est pas légal. Et si jamais il est trouvé, ton vaisseau est détruit par la station. Voilà. Ah. Ouais, okay. Parce que t'es appelé dans une station et la station te raquette. Faut qu'on aille au téléporteur trouver des missions. Alors, une autre chose, moi tu m'as montré deux de mes trois tourelles. Il y a la tourelle principale, oui, parce que la troisième une tourelle est là. Secondaire, et donc celle-là c'est une autre tourelle secondaire, c'est ça? C'est ça. Que okay, tout le monde peut utiliser. Ok, très bien. Voilà. Tout le monde peut utiliser. Mais toi, tu les utilises pas parce qu'elles tirent automatiquement en fait. Ah, ok, d'accord. C'est des tourelles automatiques. C'est qu'un canon jeu, qui hein. Tire pas automatiquement. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que personne ne gère jamais les autres tourelles. Donc là, ce que je te conseille, c'est de te téléporter sur la. Viens avec moi. Bien sûr. Normalement, sur le premier panneau, c'est The Estate. Et tu peux te téléporter à l'un des deux téléporteurs. Moi, j'ai sur le premier. Je te conseille de faire la même. Et voilà, on est sur le sur Welcome une des capitales. Ok. C'est ça. Oh, ça commence avec un barbier. Ici, c'est des hipsters, non? Non, c'est pour remettre tes compétences à zéro. Ok. Je crois. Oh, on est avec tout l'équipage. Oui. En fait, les IA te suivent sur les planètes parce que comme il n'y a pas d'ordre et qu'elles n'ont pas de mission attribuée, voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver des gens avec des petits curseurs bleus au-dessus de la tête et leur parler pour avoir des quêtes. Ces portes-là... Où est-ce que tu es? J'étais en train de regarder Joris. Regarde. Ces portes-là oui. Sont des raccourcis à travers les cartes qui ont été mis il n'y a pas très longtemps parce que sinon tu devais taper 10 minutes d'exploration à l'infini pour trouver ce que tu voulais. Ah, intéressant.
Donc, voilà. Mais il faut d'abord avoir exploré une première fois ou pas du tout? Non, tu peux y aller. Ah ok, d'accord, tu tapes un couloir. Il faut savoir que, okay. que le jeu... comment expliquer? Le jeu a un système galactique immense dans lequel je n'ai exploré que 33% des systèmes en 111 heures de jeu dessus. Faut savoir que c'est assez vénère. C'est... Oui, et certains systèmes, tu ne peux pas les... Regarde, au-dessus de nous, il y a un pointeur vert, là, peut-être la personne, sur la plateforme, je te conseille d'aller lui parler. Et elle va nous donner une quête, normalement. Parler à Yiran. Donc, un nouveau travail pour nous. Combat ou smuggling and transport? Le smuggling, c'est bien au début, parce que notre vaisseau n'est pas équipé pour le combat, et comme je l'ai dit, on peut cacher les ressources. Allons-y. Smuggling and transport. Medical supplies, faire... move weapons, transport alien tablette, plus de job encore. Les medical supplies, c'est bien ça. Tu acceptes et en fait on va tous les prendre. End of conversation. Attends, il faut juste que je regarde si on a du délai. Non, on n'a pas de délai pour la faire. Du coup, on va continuer à prendre. Ah non, on peut pas. Ok, on peut prendre une mission. Prends la trappe là qui est là. Remonte. Prends la trappe, on va retourner au téléporteur et aller faire la mission. Voilà, on va au vaisseau et on va aller faire la mission. Une chose à savoir, c'est que je ne peux pas t'abandonner sur les planètes. Tu seras automatiquement téléporté dans le vaisseau. T'es trop triste. Ah, terriblement. Et maintenant, tu vas faire M. Ah, il se passe des choses. Ouais, normalement, tu as la carte qui est apparue. Oh, il y a la Fluffy Factory, évidemment. Ça vend des biscuits, c'est trop bien. Très bien. Et comme tu le vois, on est à The Estate. On est dans un endroit qui est perdu dans l'espace. Ah si, ok. Ok, on est au Schnorr. On est en Schnorr. Ouais, on est tout au nord. Les galaxies sont générées de manière aléatoire. Ok, ok. Elles ont toujours la même forme et le même nombre de systèmes, mais les places changent. Il n'y a que quelques systèmes qui ne changent que rarement de place, c'est-à-dire l'outpost 448 qui ne bouge jamais, quasiment. Il reste toujours à peu près au milieu, comme les factions. D'accord. Les factions restent à peu près au même endroit. Ok. Les infectés sont la faction la plus cancer du jeu parce qu'elles abordent les vaisseaux pour les contaminer. D'accord. C'est ce qu'on voit dans Algor 6 ou quoi? Algor 6. Non, Algor 6, c'était un système de détresse, en détresse. D'accord. C'est à notre droite, à côté du programme shop. Ah oui, d'accord, oui, il y a des planètes en rouge, en effet. Non, ce sont des systèmes infectés. Des systèmes infectés. Je n'ai jamais vu de planète infectée, je ne sais pas si c'est possible. Parce qu'en fait, il faut savoir que je n'ai jamais vu non plus les infectés infecter les portes autour. Donc en fait, ce sont des espèces de systèmes protégés par le jeu. Ok. Les portes, il ne peut jamais y avoir d'ennemis dedans. De ce que moi, j'en connais en 111 heures. Alors, pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Et il y a des petits points d'exclamation, ce sont les boss. D'accord. Les boss sont des vaisseaux très très forts. Il n'y en a qu'un seul qui est abordable dans mes souvenirs. Et il possède l'une des meilleures tourelles du jeu. Okay. Elle peut tirer toutes les 2 secondes, je crois, et c'est dur. Ok, donc dis-nous, où est-ce qu'on va? On va au M. Normalement, on a un petit M qui est apparu sur la carte, qui est notre mission. Non. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le système... Il faut aller, en fait, à l'outpost 48. Voilà, c'est écrit dans l'émission. Mais si on 48. Va à l'outpost 48, on va, comment dire, avoir un petit problème. Alors, il est où ton outpost 48? Au milieu de la carte, à peu près. Ah oui, 448. Voilà, on va avoir un petit problème, c'est que c'est trop loin. Et dans ce jeu, les portes te permettent d'accéder à des systèmes loin, et la porte la plus proche qu'on ait est sur notre gauche. Donc je vais tracer un chemin là-bas. Bah, normalement, citer. Tu vas voir. Passe par le boss. En vrai, on peut l'éviter. Hein. Mais je vais pas faire ça. Passer par le dollar. Ouais. Le dollar, c'est un magasin spécial et ça vaut pas le coup qu'on y aille parce qu'on n'a pas d'argent. On est fauché. D'accord. Donc attends, on va casser le jeu et on va d'abord passer par le système de détresse.
Ok, allons voir. J'ai envie de te dire, c'est toi le chef, chef. Hein. Moi, je me mets à mon canon, je tire, hein, comme un sourd. Yes. Yes. Et après, on ira à la porte. Si tu pouvais arrêter de tirer, s'il te plaît. Il faut juste avant que. Oh, mais t'es Ah, par contre, sérieux? faut que ça recharge, faut que ça refroidisse de ouf. Oui, mais t'as des skills après. Quand on va prendre des levels, en fait. Et alors, c'est overheated, là, faut attendre que ça On va refroidisse passer par le magasin intégralement. parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de carburant et qu'on est obligé. Ok. Par contre, tu peux arrêter de tirer parce que ça casse le bot, le pilote, qui D'accord. s'est aligné en fait. Voilà, Ouah, là on on est en voyage warp. ultra vite. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. C'est quelque chose que je ne sais pas dans le jeu, mais je crois que c'est la carte qui se déplace et pas nous. Ah! Je Oui. crois. Je suis pas sûr. Quand on est dans un système, on se déplace dans le système, ça j'en suis sûr. Puisque les vaisseaux qu'on détruit ont des objets qui bougent dedans. Mais une chose dont j'ignore, c'est si sur la map en général, comment dire? Si sur la. Dégage l'ingénieur bot. Pardon, attendez, j'ai un petit peu. C'est si sur la carte en général, on se déplace ou pas? Attention, on va quitter le saut. Voilà. Là, on est dans une nébuleuse, n'est-ce pas? On voit rien de ce qu'il y a Est-ce que autour. c'est une bonne idée de tirer dans une nébuleuse? Alors, attends. Ou est-ce qu'on enflamme tout ce qui traîne? La nébuleuse, en fait, ça nique les capteurs. Comme tu peux le voir, on ne voit rien dans le système. Donc toi, tu es les yeux du vaisseau aussi. Est-ce que tu vois quelque chose autour? Ce qui est important à repérer, ce sont les points verts qui se déplacent, qui sont des sondes. Au-dessus du bousingue, non. Ah, ouais, chose que tu Est-ce n'as que pas je... vu, c'est qu'il y a des mines dans l'astéroïde en face de nous. Et il est en face de nous, il est derrière nous. Parce que pour moi, il était derrière moi. Ah, il était derrière? Ok, Ouais, peut-être. ça c'est une mine le truc sur quoi je vais tirer là. Vas-y. Oui, tu l'as détruit, ça a activé le truc. Ok. Je vais manœuvrer le vaisseau, donc là c'est moi qui le pilote. Attends Afin parce que d'aller je peux... voir. Attends, je peux quand même aller voir éventuellement dessous, avec mes tourelles du dessous. Non, t'as pas de tourelle en dessous du vaisseau. Si, Attends. parce que je vois pas mes grosses tourelles en haut. Enfin, mes petites Si, tourelles. elles sont à l'avant. Elles sont à l'avant. Elles Ok, sont alors sur attends, le. j'ai une mine par là, si tu pouvais arrêter de bouger. Non, celle-là, tu n'as pas besoin de tirer dessus. Je En fait, on empêcher s'en de approche pas bouger. assez. Attends. En fait, ce que je veux aller faire, moi, c'est regarder dans l'astéroïde s'il n'y a pas de débris, de scrap. Le scrap est un composant de vaisseau très important. Il permet d'améliorer les tourelles, les réacteurs. Je te parle rien, de l'autre côté du trou, normalement on est entouré de mines. Il y a une mine. Mais non, il n'y a rien. Du coup, je vais laisser l'IA repositionner le vaisseau. Et on va partir. Dans les systèmes comme ceux-là, où on ne voit rien, les vaisseaux IA aussi ne voient rien. D'accord. Il n'y a pas de triche qui soit. Ok. Eh ben écoute, petite Ça, la musique. seule triche qu'il y a, c'est s'ils ont un meilleur équipement de détection que nous. Là, ils vont nous voir avant qu'on puisse les voir. Mais si ils tirent et que le réacteur commence à chauffer, on les verra plus facilement. Très bien. Eh ben on se TP quand tu veux. J'attends que le warp charge. Car tout n'est pas instantané dans ce vaisseau, à part les D'accord. tourelles secondaires ou des trucs comme ça, mais le warp met longtemps à charger. Et comme on est sur un vaisseau dit vanilla, sans aucune amélioration, la plupart des systèmes sont nuls à chier. Ok. Ouais, je. Mais casse-toi, par contre, nique ta mère. Pardon pour la vulgarité. Gratuite. C'est Bonjour, juste capitaine. que. On a un.
on a un bot qui est un peu trop un peu débilus. Un bot qui est un petit peu débilus, ouais, c'est un petit peu emmerdant. C'est ça. C'est ton fauteuil de capitaine, ça ? Ah oh ouais. Ouais. Je peux m'asseoir et tout. Ah, attends. Travaille, larbin. On va devenir des... Descends de ma chaise. On va devenir des chasseurs de primes. Ah. Ça veut dire que je retourne à mes canons, ça. Ça, oh, c'est bon, ça. Va falloir qu'on fasse demi-tour. Parce qu'on a une mission qui est apparue derrière. Ça, c'est toi le patron, hein, moi, tu sais. Hein. Ça va être un combat. Moi, je tire. Hein. Est-ce que tu vois quelque chose autour ? Oui. Je vois des balises. Je vois un gros astéroïde un peu rouge, un peu chelou, là. Avec des technologies autour. C'est peut-être des mines que je vois, là. Je tire dessus. C'est des mines, ouais. Il y a une onde verdâtre, genre un petit bouclier autour d'une de ces mines. Comment ça ? Bah là où je regardais, il y avait... Alors peut-être toi qui avais mis un curseur, parce que je le vois se déplacer comme si c'était un curseur de souris. Est-ce que c'est toi qui essaie de scanner un truc ? Moi je suis en train de récupérer les scraps en fait. Est-ce que tu vois là où je tire la boule verte ? Oui c'est ça, donc c'est de cette boule verte dont je parle. C'est... Ok, je tire pas de boule verte. En fait moi je vois ton petit viseur là. Ok, parce que j'utilise des outils scientifiques qui s'appellent les sensors, qui sont des choses qui permettent de faire plein de trucs cool. Et du coup, faut que j'explose beaucoup de mines, non ? Ouais, je te conseille de prendre une tourelle secondaire quand tu fais ça. Ouais, je pense, hein, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Parce que la batterie principale, c'est pas optimisé. Mais juste avant, j'aimerais voir si on peut se TP dedans, donc je vais juste kick le bot de pilotage. Ouais, oh, c'est vachement moins, désolé. Ah ouais, après... non, mais les mines, ça a l'air vénère, hein, faut pas s'en prendre. Hein. Ah, les mines, tu peux pas en prendre. Hein. Non, mais faut pas s'en prendre une dans la face, je veux dire. Ça dépend. Au bout d'un moment, tu ignores les mines, en fait. Genre, ouais, enfin là, à mon avis, vu les explosions qu'il y a chaud. Non, c'est qu'elles ont un... Nique sa mère. Pardon. C'est les IA. Bon, c'est pas grave, on n'aura pas eu de scrap. Cet homme. Ouais, non, mais c'est juste là, les IA. Voilà. Je suis désolé, je devrais voir mes canons depuis... depuis mon non, parce canon. Que... Ah, ils sont juste devant mon rivet, d'accord, ok, je les vois pas. Voilà. Là, regarde, viens voir. Tout à l'heure, tu demandais à quoi servaient les caisses, les plateformes. Ah, on a récupéré des trucs. Bah maintenant, il y a des caisses dessus. Et ces caisses-là, ce sont du scrap. Le scrap sont des pièces importantes pour un vaisseau puisqu'ils servent à améliorer les composants. Et réparer, je suppose, non ? On peut réparer de la coque avec, ouais. Non, je crois pas. Il y a qu'un seul vaisseau dont, à ma connaissance, qui peut le faire. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de le compresser. Bah, pas de le compresser. De le rendre utilisable pour le vaisseau. D'accord, t'en as donc, encore. Donc, normalement, ils sont. Je sais, mais normalement ils sont censés apparaître quelque part dans le vaisseau, ça te dit que tu peux les utiliser pour faire des choses. Mais... Je sais pas où c'est. Merde, j'ai raté. Tu as 3 essais en fait pour le faire. T'as un petit mini-jeu pour le faire, c'est très chiant. Je vais essayer là, alors. Ici. Voilà, ouais. Bien joué, t'as compris tout de suite, pas besoin de t'expliquer. T'es plus intelligent que les gens qui l'ont jamais fait. Qui comprennent pas. Là, voilà, c'est ça. Et là, tu vois les améliorations. Par exemple, si on améliorait notre réacteur, ça nous donnerait. 1400 à peu près d'énergie supplémentaire et 600 points de surchauffe possible avec le réacteur. Et tu peux améliorer. Ça affecte mes canons ou pas ? En fait, si le réacteur a plus d'énergie, il va. Tirer plus, ouais. Non. Il va jamais surchauffer. En fait, un générateur qui ne dépense pas toute son énergie ne surchauffera jamais. Et donc on pourra attribuer plus de puissance dans certains modules. Sachant que l'armement n'est pas la priorité. La priorité c'est les boucliers. Si les boucliers tombent, il n'y a plus de vaisseau. Prépare-toi parce que là on arrive en combat. Il va falloir que tu... Ah non, ok, il y a encore 2 sauts. Ah, ok, c'est un bandit le trigger. Faut que tu tires dessus quand on le verra. C'est un quoi ? Un bandit. C'est pas... Ça nous fera pas perdre de réputation. Là, il est en dessous de nous. Il nous a défoncé. Est-ce que tu sais de quelle couleur il a tiré cette projectile ?
Bien joué. Tu peux maintenir clic droit pour loquer des missiles dessus. Bien joué. C'est pas moi qui ai tiré, ça va être un bot. Les tourelles automatiques ? Ouais, ou les tourelles automatiques. Où a-t-il été détruit par rapport à nous ? Je sais pas si j'ai des données. Je vois des données quelque part ou pas ? Non, je vois pas. Non, normalement t'es censé voir des petits morceaux. Par contre, je vois, je peux tirer dans la direction si ça t'aide. Voilà. Oh, merci. Parce qu'en fait. Pas pratique comme canon finalement. Ok, donc on va kicker. Ces deux enfoirés. Ah, on se fait encore attaquer. Merde. Il y en a encore un. On l'a pas vu. On peut le ping quelque part parce que je le vois pas. Je le vois là-bas. Ok, nice. Il est verrouillé. Quelle couleur sont ces projectiles, s'il te plaît? J'ai pas vu. Par contre, je ne sais pas pourquoi mon canon ne refroidit pas. Parce qu'on a plus d'énergie dans le réacteur. Il tire en rouge d'après ce que je vois. Ok, donc c'est du. Par contre, vraiment, ces IA codés avec le plus, ça va vite me fatiguer. Ça touche une fois. Ça a été détruit. Donc attends, on va dégager les IA, on va jouer sans ces deux IA. Il y a du scrap un peu partout hein, dans l'espace, mais. Ouais. Il faut juste que je règle mon IA mécanicienne qui fait n'importe quoi en fait et ça me fatigue. Tu vois, t'as un scrap à gauche là. Là, droit devant toi, là, t'en as un. Et puis t'en auras un à droite. Quoi ? On est en train de se TP, on prend pas le scrap ? Non, parce que ces IA sont codés avec le cul et font n'importe quoi. Ah, tant pis, on a perdu vachement de scrap parce que ces IA font de merde. Et ça me fatigue. Ouais. Et puis alors là, beaucoup à mon avis. C'est pas grave. Normalement, on a pris des level up par contre. Intéressant, voilà, comment je passe de niveau? Tu fais tab et tu vas dans talent et tu auras tes crans. Comment ça je vais dans talent? Je vois pas talent. Tu fais tab et tu as talent à côté de Starman. Ah oui, talent, ok. Tourette calling optimisation plus 5% au crew tourette calling rate par rank. Oui, ça refroidira plus vite de 20% au maximum. C'est très intéressant pour toi. Bon bah j'ai bourré hein, on est à 4 sur 5 direct. Ah parce que bon le quick reload, on verra plus tard hein. Voilà, c'est fait. On est pourquoi pour les missiles? Non, c'est la... J'ai augmenté le. Donc, du coup, j'ai réduit de 20% le temps de refroidissement des tourelles par rang pour le crew tout entier. Pour l'ensemble des tourelles, je sais pas ce qu'il veut dire. Moins 20%. Donc, ça veut dire que les petites tourelles laser, elles vont quand même pas mal avoiner. Elles avoinent déjà pas mal, en vrai, quand la cible est proche. Attends, c'est bon, j'ai enfin réglé ce putain de bot mécanicien de cette mort. Pardon. Enfin que tu arrives aussi non, le pilote, là... parce que le pilote il se tp un peu quand il veut là. Fin du combat, le mec non, il non, tire, non. On a rien à foutre. Non, bah, en fait le pilote ne va normalement manœuvre en combat, si je dis pas n'importe quoi. C'est ça. Est-ce qu'il manœuvre ou pas? Je sais pas. Ouais mais une fois que le combat est terminé, il se tp direct lui. Il s'en bat les yoku. Ouais. Voilà, et là, après ce saut là, on sera en mission. Ok. Est-ce qu'il y a des choses? Moi en tout cas je ne vois rien. Apparemment il y a un vaisseau dans le système. Comment je le sais? Parce que je peux lui parler. Très bien. Ah, ils viennent de m'apprendre quelque chose. Ils viennent de me dire, est-ce que vous avez déjà entendu parler du High Roller Casino? C'est une station où il y a beaucoup de joueurs avides
de l'IR Dice qui font de la compétition pour des prix. D'accord. Il paraît que l'une de ces récompenses à une des tables là-bas est un fragment d'une colonie perdue. De données d'une colonie perdue. Mais c'est probablement juste une rumeur. Non, okay. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vrai. Je vais tout de suite m'entraîner au dé. Tu peux pas jouer tout seul. Ah. Non, mais t'inquiète. Prochain système, on va être au combat. Où sont les dés, bordel? Faut que tu repasses par le pont. C'est par ici. Non, c'est pas par là. Ah si, c'est là. T'y es? J'y suis. J'attends un joueur. Bah alors, capitaine? On a des tuiles à perdre, capitaine? Ok. Je sais pas si on peut relancer des dés ou pas. Non. Là, qu'est-ce qu'on doit annoncer? On garde ça comme ça Là, t'es censé annoncer ce que moi je suis censé avoir. Super. Ah merde, je suis un connard. Pardon, désolé, j'ai juste trompé de bouton. Donc là, ça recommence. Là, je lance les dés. Et je suis censé call. Ah voilà, toi tu es censé call ce que moi je. Ah, ce que moi j'ai. T'es censé pouvoir call ce que moi j'ai. Normalement ça se passe pas comme ça. Bah, je sais pas, hein. Moi c'est le jeu. Normalement tu dois annoncer ce que toi tu as. Je crois que c'est cassé. Attends. Ce qui est un peu, y a de l'aide là. Chaque joueur roll en secret 5 dés et commence. Ah non, en fait, on joue tous les deux en même temps. Ouais. C'est pour ça. Donc, toi, tu es censé dire. Là, t'es censé faire ton bluff. Et moi, je suis censé dire si oui ou non. Donc, 2 x 6 sur 5 dés. Mais sur les tiens ou sur les miens? Sur les miens. Challenge. Ah merde, il y en avait 3. Mais je suis débile. Ah oui, c'est l'ensemble de nos dés. Putain, c'est l'ensemble de nos dés sur le poker menteur. C'est l'ensemble de nos dés. C'est-à-dire qu'en fait, t'es censé essayer de deviner ce qu'a l'autre et ce que toi tu as. Voilà. D'accord, ok, parfait. Baston. Les mecs qui combattent dans le système d'à côté, ils vont nous attendre. Ouais, ils vont attendre qu'on finisse ça. Hein. Faut le savoir. Mais en vrai, c'est chaud, hein. Tu me challenge. Oh, j'ai gagné. Bah quoi, t'as dit que c'était vrai? J'ai dit ouais. À quoi? Je comprends pas. T'as dit qu'il y en avait 2. Oui, parce que en fait, après, tu dois faire des surenchères. Tu peux faire des surenchères en me disant non, en fait, il y a 2-5. Tu peux monter la valeur des dés. Ah. Ok. Ah, c'est un peu chiant. Hein. Mais c'est marrant qu'il l'a intégré. Mais en vrai, c'est vu que je suis un gros connard qui tape haut tout de suite. Voilà quoi, c'est ça, tu vois. C'est ça le truc tout de suite, tu vois. Alors, soit tu dis que j'ai raison et tu perds. Soit tu dis que j'ai tort et tu perds. Soit tu dis qu'il y a plus. Et donc. Oh, il y avait qu'un seul 5. T'as gagné petit. Et moi par contre, j'ai. C'est toujours moi de parler en premier. Non, c'est à moi. Ça a changé de tour, je crois. Vas-y. Non. Ah non. Bah non, c'est encore à moi, visiblement. Je pense que les mécaniques du jeu sont un petit peu incertaines. Ah, pour le système d'annonce, après j'avoue, j'en sais rien. En fait, je suis pas obligé de challenge, je peux te bluffer aussi à mon tour. Moi je te challenge. Moi je sens que tu m'étonnes. Bah voilà. Alors c'était un, moi j'ai pas vu en. Moi c'était pas en 6 que je voyais. Hein. Bah si c'était en 6.
Bah, je suis mineur. Moi j'ai vu ça en 3. Ah, je viens de débloquer le succès. Premier succès que j'ai débloqué, c'est Die Champion. Voilà. Voilà, on va quand tu veux au casino, je les soulève tous. Je les soulève tous, moi, tes bottes. Mais d'abord, on va se battre. Ah non, on a perdu. Ouais, mais moi j'ai winodé, gros. Je m'en bats les couilles. C'est toi le capitaine, donc tu vois avec ton équipe. Ah bah, on vient d'être invité au casino, gros. Ah. Quelque part. Une bonne chose pour une bonne chose, finalement. Non, parce qu'on a claqué vachement de carburant pour rien. Ah, bah ça c'est ton problème de capitaine. Hein. C'est où le casino? Par contre, j'ai pas pu parier de thunes contre mon capitaine, c'est dommage. Hein. Capitaine, t'aurais pas 5000 crédits en rab là à parier là, vite fait comme ça? Jamais. Mais c'est où le casino? Bah, j'en sais rien, c'est toi le capitaine. Ah, je l'ai trouvé! Moi je suis un homme sur un canon, hein, ouais, tu sais. Je suis un homme canon, hein. Le reste, j'en sais rien. Hein. Oh oh. Il faut que tu tires sur le USS Galandry. Je sais pas c'est lequel. Moi j'ai A et B. Le B, le gros, tire sur le gros. D'accord. Il fait quoi, il combat le pilote? Il fait quoi le pilote? Il combat ou il fait n'importe quoi? J'en sais rien moi. Moi je suis sur mon canon chef. Par vu, il est statique hein. Est-ce qu'il te permet de viser au moins? Oh oui, bah il est statique hein, donc oui je peux viser. Ok. Tant qu'on se fait pas elle tirer dessus. 3 quarts de vie. Non. Je sais pas combien j'ai de missiles hein, je lui en renvoie. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. C'est des missiles ça que t'envoies? Ouais, une petite flash verte. Tu l'as détruit le moteur? Tu l'avais immobilisé. Ah putain, je peux plus tirer, il a trop bougé. Ah, non, je peux plus le tirer. Il a bah, trop bougé. Bah oui, non, mais c'est. Non, c'est pas qu'il a trop bougé, c'est juste que t'as trop baissé ton canon en fait. Bah oui. T'avais plus le débattement. Ah, il nous a vu. Tire avec du rouge et ça fait des lumières bleues quand il tire dessus. Oui, parce que ça veut dire que les boucliers sont bons. C'est le bon bouclier qu'on a mis. Vas-y, envoie les missiles, pour ta place. Hein. Bah écoute, ouais. Hein. Je t'en fin. Ah, il a le feu à bord, en grande, je crois. Est-ce que tu... J'ai touché dans la science et dans la survie, hein. Visiblement. Ouais. Est-ce que tu veux que j'aille à bord et que je désactive leur vaisseau? Totalement. Honnêtement, s'ils sont en incendie, tu devrais peut-être pas t'y risquer. Hein. Et là, de toute façon, ils sont en train de se faire défoncer par les canons laser. Il va tomber tout seul. Puis au pire, hein, s'ils commencent à bouger, je lui remets un missile. Tiens, enfin, je donnais plus d'énergie. Tellement long à recharger mon canon, c'est une horreur. Je donnais plus d'énergie normalement. Ah oui, là ça. Ah oui, là ça charge. 107. J'ai rien touché de particulier. Je pense qu'il faut que je vise un peu plus l'arrière. Non, c'est que t'as pas passé les boucliers. Ils ont remis leur. On se prend un missile. Ouais. Joli. Il est affaibli. On va lui envoyer un missile et ce sera fini. Non. Si, il est parti. Les missiles font pas de dégâts. Hein. Ouais, ça, il a pas fait de dégâts le missile, tu m'as dit. Ah, il faudrait juste. Voilà. Un petit coup de piou-piou laser. Je te conseille de virer le pilote si tu veux récupérer le scrap. Non, mais je le suis, c'est moi le pilote. Ok. Voilà, on l'a eu. Ok. En fait, on pourrait aussi tenter des abordages en début de partie. Ouais, mais quand tu m'as dit qu'il était en incendie, j'ai envie de te dire, quand tu m'as dit ouais, vas-y, on tire dessus, je suis pas sûr. En vrai, c'est trop. En munitions. Il nous reste que 6 sur 12 missiles. Hein. Va falloir que je recharge les missiles, mais pour ça, il faut que tu perdes au poker, chef. Hein. Allo, chef. Non. New mission accepted. Tu veux que j'aille plumer des touristes là au poker?
C'est ça la mission ? Attends. Non, la mission c'est d'aller détruire un groupe de raiders. Ok. Par contre, je sais pas pourquoi le shield piercing là du Science Lab il ne cesse de descendre. C'est-à-dire ? Bah, avant, j'étais à 12, la première fois au tout début, j'étais à 12 sur 12, maintenant je suis à 6 sur 12. Attends, faut qu'on a scrappé le scrap. Parce que si c'est un groupe de vaisseaux, va y en avoir vachement. Donc il voit. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Allez, t'as, ah oui, aussi... t'as écrasé le scrap là, ça y est. Ouais. On sort du bois, t'es prêt ? Je suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a autour ? C'est pas ici, hein, c'est le prochain système. C'est quand tu acceptes une mission. Ok, là il y a du scrap, je crois que c'est les petits trucs bleus qui brillent. Il y a un scrap dans un. Attends, dans pourquoi, l'astéroïde. Pourquoi est-ce que le module scientifique est en surchauffe ? Aucune idée. Mais le cloaking system qui est en train de se charger. Déchargé en fait. Attends, on va l'utiliser. On va le laisser se vider et on le recharge pas. Hein. Très important. C'est toi qui vois, moi je ne gère que mes canons. Non, ça fait cramer ça l'énergie. Fait, ça fait des trucs chelous. Oui, ça aspire. Merci d'avoir tiré. De rien. T'as tiré sur quoi ? Emile. T'as un peu de scrap dans le truc, hein. À récup, hein. Juste là où je viens de faire exploser un truc. Je crois qu'il y a un scrap. Tu peux. Ouais, je le. Il y en a d'autres derrière. On va y aller. En vrai, le jeu est moche. Mais alors, qu'est-ce qui donne une bonne ambiance ? Comment elle ça est réussi. Je trouve qu'il a une bonne ambiance ce jeu. T'es bien dedans quoi. Tu peux faire basculer le vaisseau sur le côté et le faire rouleau un peu. Fais le rouleau, ouais, parce que sinon je peux pas détruire la dernière mine que tu vas percuter. Les mines en fait, tu vois les rayons jaunes là, le tout premier qui te met quand ça explose. Ouais. Et bah c'est leur rayon d'activation. Je crois que je viens de nous repousser là, non? Non, c'est moi qui suis en marche arrière. Ok, d'accord. T'as eu le scrap de toute façon. Ouais, j'ai tapé dedans. Ah, le vaisseau s'est éteint. On a plus d'énergie. Arrête de tirer s'il te plaît ou de faire autre chose. Affirmatif. Je ne tire plus. Laisse tes tourelles recharger. On va laisser le moteur refroidir vite fait. Il est un petit peu possédé le moteur, je crois. Tu bois ça où? Tu regardes, normalement t'as des panneaux un peu partout dans le vaisseau. Disent comment elle. Ah oui, d'accord, on est monté à 3850 de capacité, d'accord, et on était ouais, en méga surchauffe quoi. Et non, le vaisseau se met en sécurité parce qu'on n'a pas désactivé le. On n'a pas, fait le vaisseau. Non, parce qu'on n'a pas désactivé la sécurité du réacteur. Ok, on a 12 de scrap. Je sais pas si on peut améliorer un vaisseau avec ça. Mais... Ouais, il y a un nombre de bots là chez moi là, ils font quoi là? Parce que ton système a pris des dégâts. Ah bon? Ils ont couru pour le réparer. C'est pour ça que. Sauf qu'ils campent là un peu depuis 3 jours en fait. Ouais, ils sont deux. C'est pas. Voilà. Normal, il peut y en avoir que deux. Il nous reste que 8 carburants par contre. Ah, ça c'est toi qui gères, chef. Hein. Moi je sais pas tout ça. Ouais, c'est compliqué, je crois. Moi tu sais, je tire avec mon gros canon pénis et c'est tout. Hein. Attention, combat. C'est parti. Oh, mets tes compétences vite dans ta recherche de tourelle par exemple. Non, j'avais un truc aussi qui était sympa. Je peux avoir de l'armure boost ou du quick reload. Ouais, non, ça c'est pour ton pistolet. D'accord, je peux pas enlever. Non. Ah, bah je peux pas enlever, j'en ai mis deux. Voilà, c'était trop bien. Ah, la mission est une mission terrestre, monsieur Knarfang. Ah, bah j'ai bien fait de prendre du quick reload. Finalement. Viens. Allons-y. Attends, d'abord faut que j'aille parler au quartier du scientifique. Deux secondes. Attends, d'abord faut que je banne le scientifique et que je lui vole son scanner. Ah d'accord, on part sur une petite haine de son prochain, tranquille. Non, c'est juste que c'est une IA et qu'elle n'utilise pas son scanner.
IA codé avec le cul. Non, c'est que c'est un... En fait, le scanner te dit où sont les ennemis, sauf que l'IA ne parle pas. Ah oui, d'accord. Prends le téléporteur et va sur la planète. Alors, attends. Il y a... J'ai deux, trois contacts sur le scanner. Voilà, là, tu le vois de là ou pas? Ouais. Le mec est tout au fond, là. Tire dessus de là, ça va le bugger, il va pas venir. Voilà. C'est un ordre pour les IA, ça va faire venir les deux autres. Il y a d'autres IA là en contrebas, à côté des modules de vaisseau. Attention, ça tire. Ne meurs pas, si tu meurs, tu perds des PV, hein, temporairement. Pour chaque saut que tu fais où tu ne meurs pas, tu... Regarde, là il y a des modules pour le vaisseau. Là, c'est les trucs avec les machins jaunes là. Ouais. Ouais, prends ça. C'est un pick-up. Regarde, ça aussi c'en est un. Ah oui, ça là, aussi là. Ça. Hop, pick-up. Ouais, sur tout ce qui est surplot quoi. La home, fuck! Un boss! Il est mort? Oh, il a. Oh! Attention. Ah, je suis surchargé, arrête de. Enfin, je peux pas te couvrir. Je suis surchargé. C'est pas grave, il vise notre IA. Bien joué. Vite, faut qu'on aille le revive. Ah merde, complétide. Ouais. C'est bon, on a tout piqué, chef. Je crois, mais on n'a pas allé faire un tour dans le bâtiment. Ah oui, attention, quand tu double sautes, t'as ta souris qui apparaît pendant une demi-seconde. Oui, je sais. J'ai vu. Ouais. Quel bâtiment? On peut pas. Y a pas de bâtiment qu'on peut visiter ici. Si, je suis dedans. Attends, ah, c'était celui du dessous. Là. Ah d'accord, ok. Dis-moi, ton arme, c'est quoi? Le pistolet laser 10 bases. Ouais, ça, c'est écrit pistolet plus 1, laser plus 1, ouais. Sur le mien, je sais pas. C'est écrit normalement à côté de ton nom. De son nom. J'ai un fast pistol plus 2. Voilà, donc je vais le prendre. J'en ai un plus 1 aussi, mais ça me permet de. Là, il y a un repair gun plus 1. J'ai un repair gun 3. Pff, ok, d'accord, je vais le prendre. Je suis trop fort, quoi, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est ça que t'as voulu dire? Rien. Ouais, mais en fait, tu commences avec du putain de stuff, moi j'ai rien. Mais c'est un idiot. Capitaine qui a dû changer un puisqu'il a pas de stuff. Ou alors, capitaine, ouais. T'as perdu au dé. C'est tes flingues que j'utilise. Non, 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 le tireur commence avec de meilleures armes, l'ingénieur a de meilleurs trucs de réparation. Ah, pourtant, là, j'ai un repair gun. Ah non, c'est peut-être un repair gun du coup de base. 3, c'est parce qu'il est sur 3. Oh. Oui. Voilà. C'est le plus 1 qui est important. Ouais. Bon, on transforme du... Ah non, il y a des trucs qu'on on transforme pas, là, on transforme rien. Tu vois le Black Dart? Le quoi, le Black Dart? Le Dark Drive, pardon. Ah, le Dark Drive, oui. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit d'en avoir, c'est de la contrebande. Du coup, tu le mets... Tu peux le déplacer? Dans le cargo caché. Et tu fais comment pour le déplacer dans le cargo caché? Ça, c'est le commandant, quand il fait tab, shift, il peut déplacer le... D'accord, il n'y a que toi qui peux le faire, c'est option de capitaine. Putain, on c'est voit ça. Rien. Utilise ta flashlight, tu verras le magnifique bug des mains ombrées. Oui. Ah oui, je le vois. Ça fait en fait, c'est pas un bug. C'est pas un bug, en fait, c'est lié à ta flashlight. C'est un effet volontaire du jeu. D'accord. Ok. Voilà, c'est tout. Et bah écoute, on peut bouger, hein. Attends, je vais voir si je peux me soigner ou pas. Non, je l'ai pas allumé, je suis un connard. Moi j'ai pas de bobo au doigt. Si un jour, viens derrière, si un jour t'as besoin de te soigner, faut que t'allumes ça. Celui-là. Le Atrium Healing. Ok, le premier quoi. C'est okay. Ça. Et après tu vas là, dans Medical Aid, et ça va te soigner. Dans la petite truc qui est au fond. Sauf si ça ne marche pas. Tu l'as coupé, culé. Je te vois toucher au panneau. C'est pas vrai. Allume-le, t'as pas merci. Je vois ta petite main qui se déplace dans le fond. C'est bon, t'es réparé là? C'est bon. Ok. C'est coupé. Voilà, il faut savoir qu'en fait, le réacteur auxiliaire pompe de l'énergie sur le réacteur principal. D'accord. Et ben, il est marrant ce petit jeu. Mine de rien. Voilà. Hein ah. On fera peut-être un épisode avec des vrais bots, c'est-à-dire des potes. Et en attendant, est-ce que tu conseilles aux gens de l'acheter ou pas finalement? Je conseille de l'acheter en réduction. Ok.
en réduction. Ouais, c'est faire parce que pour 20€, ça peut être un peu répétitif. Ouais. Mais avec des potes, c'est très drôle. Hein. Ouais, après, il y a quand même pas mal de diversité, quand même pas mal de vaisseaux différents. Enfin, de ce que je vois, du gameplay, hein. Et chaque faction n'a pas le même but. D'accord. Bon, et si, nous, il faut parler de la victoire du jeu actuel. Ah oui, il n'y a pas de victoire. C'est... Vous pouvez que perdre. Voilà. Ils ont codé les méchants qui détruisent le monde, mais ils ont oublié de coder les gentils pour détruire les méchants. Voilà. Non, il faut... Tu vois l'infection ? Non. Dans la première sortie du jeu, bah en gros, là, on a fait quoi ? On a fait une dizaine de sauts à peu près ? Ouais. Dans la première partie du jeu, il tenait déjà un quart de la galaxie en 10 sauts. Ah ! Donc nous, on les avait à droite de nous, là, pourtant, ils se tiennent toujours tranquilles, relativement. Oui, parce qu'ils ne bougent presque plus maintenant. En fait, ils sont relativement lents. Plus, okay. Plus le chaos level va augmenter, plus ils vont commencer à vouloir nous péter le cul. Ouais. Ok. En fait, c'est lié au chaos level. Là, si tu regardes, on est en chaos level 0.5. Tu le vois où ton niveau de chaos ? Tab. Ah, j'y suis pas du tout, du coup. Tab. Chaos level... je vois pas. C'est à côté des crédits. Du level, t'as level, XP, crédit, KO. En dessous. Ah oui, KO 0.5, exact. Excuse-moi. Voilà. Ok. Et on peut. Plus le KO va monter dans le jeu, plus les ennemis vont être forts. Donc le but du jeu, c'est de jusqu'au KO 5, de farmer en fait pour ton vaisseau, principalement. D'accord. Et ben, on peut dire que c'était rigolo. Hein. Voilà. Voilà. Et on reprendra ce même vaisseau absolument incroyable, on peut le sauvegarder ce vaisseau. Ça sauvegarde automatiquement à chaque entrée et sortie de système. Mais trop bien. Donc on la reprendra avec des vrais bots. Je pense qu'on mettra l'alcoolique buveur de bière au pilotage. Ça va ressembler à rien. Et on verra ensuite. Oh, il y a encore du loot là. Ah, j'ai toujours les petits feux d'artifice au-dessus du poker menteur là. Hein. Ouais, c'est un bug. Ouais, je suis content de l'avoir, hein. Ça se passe que j'ai gagné, tu vois, chef. Ouais. Et tout le vaisseau le fait. Hein. De toute façon, moi j'ai trouvé mon nouveau poste. C'est tout. Je suis au bar. Exact. Et je pense que c'est un bel endroit pour souhaiter une bonne soirée aux gens, ou une bonne journée, peu importe, on s'en fout. Et de leur dire à la prochaine. Au revoir.